French Education Minister Vincent Peillon announced this morning that up to 400 million euros of the annual budget will be allocated to the nation's priority education zones, otherwise known as ZEPs. After a disappointing ranking by the Programme for International Student Assessment, PISA, last month, France has reason to be concerned with the inequalities in its educational system. According to the education minister, less than half of third graders in the ZEPs master basic reading skills, while the national average otherwise nears 80%. While many assume that the priority education zones receive extra funds, the minister assures that this is not the case. C'est la grande hypocrisie française. On fait croire, y compris à ceux qui sont dans la ZEP, qu'on leur donne davantage. 50% de plus en termes d'argent public pour un élève du centre parisien que pour un élève de Créteil. Donc maintenant, nous mettons l'argent public là où il doit être le plus efficace. Mais tout ça est programmé et ne demande pas de dépenses supplémentaires. Vous aurez le cas. Since their creation in 1981, priority education zones have never accounted for more than 2% of the total education budget. This allocation is extremely disproportional to the actual amount of students under the ZEP system, amounting to only 2% of the educational budget for 13% of the student population. The minister's goal is to decrease class sizes to at most 25 students, and to reduce the performance gap between ZEP and non-ZEP students from 30 to 10%. So what exactly makes a ZEP different? 8 of Paris's 20 arrondissements is a priority education zone. These zones are mainly located along the periphery of the city, whose residents are primarily recent immigrants. Here in the Belleville neighborhood, these ZEP school administrators shed light on an often misunderstood student population. La population qui habite, en fonction de salaire ou... Je crois pas, moi c'est en fonction de ce qui se passe dans le quartier, des problématiques de quartier. Tu vois, on parle souvent de racisme, mais ici il n'y a pas de racisme parce qu'on est tous mélangés. Je pense qu'il n'y a pas un qui est vraiment d'origine française pure. On est né sur le territoire français, mais on a tous des origines un peu soit asiatiques, soit africaines. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans les écoles, il y a des moyens supplémentaires, c'est-à-dire moins d'enfants dans les classes, pour que les maîtresses soient plus disponibles pour les enfants. Moi, je travaille ici et ma fille, elle va à l'école ailleurs. Les parents ont moins de soucis financiers, donc sont moins stressés, donc les enfants sont plus tranquilles. C'est des enfants qui ont beaucoup besoin d'être stimulés, d'être sortis dans la mesure du possible. Sinon, ils ne quittent pas leur, ici, leur belle ville. Ce qu'il faut, c'est leur donner les bases orthographiques et linguistiques nécessaires, parce que je pense qu'il y a, beaucoup d'enfants d'origine étrangère, que ce soit portugaise, maghrébine, africaine ou asiatique, dont les parents maîtrisent mal le français. Et il y a risque de discrimination sociale, à mon avis. Et des collèges et des lycées, après réputés excellents, on va citer le lycée Henri IV à Paris, etc., tandis que les autres seront cantonnés à une instruction élémentaire. According to Minister Peillon, the additional funds were primarily served to attract more teachers to the ZEP and increase their salaries. For these individuals already dedicated to their profession, they hope to use the extra money to further enrich their students' educational experience. Avec plus d'argent, plus de moyens, peut-être plus de sorties culturelles, plus de choses comme ça. Je pense que ça, effectivement, nous, en centre de loisirs, on en fait beaucoup. Bon, c'est vrai que la ville de Paris, on arrive à avoir par exemple tous les musées de ville de Paris gratuitement et tout, mais je trouve que c'est important de les sortir de leur quartier. Parce que souvent, les enfants pensent que leur quartier, c'est Paris. Et ils ont plus de personnel, aussi d'aide aux devoirs, peut-être prévoir justement davantage d'encadrement extérieur, de sorties culturelles, leur montrer ce qu'il y a autour d'eux, quoi. For these students, opening the door to their city might just mean opening the door to greater opportunities.